Allez les lions, c'est parti pour votre guidance pour cette rentrée 2018. Comme d'habitude, ces guidances restent générales. Je suis toujours obligée d'évoquer plusieurs cas, donc vous verrez ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Et puis si vous voulez avoir des informations complémentaires, vous pouvez aller voir vos guidances par rapport à vos signes ascendants et lunaires. Et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours que j'ai lancé pour gagner une guidance comme celle-ci. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous dire que j'ai remis aussi les prestations à jour. Si vous avez des questions, tous les liens sont en dessous de la vidéo. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire via Messenger ou à la lame libérienne tout attaché sans accent @gmail.com. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, quand je vous dis par exemple que pour telle carte, ça peut représenter le signe des Gémeaux, de ceci, de cela, ça peut parler du signe solaire, mais ça peut être aussi l'ascendant ou le signe lunaire, hein, soyons d'accord. Comme ça, je ne vous le redis pas hein, à chaque fois, vous saurez. Alors je termine ces guidances pour cette rentrée avec vous, je vous remercie beaucoup de votre patience, le meilleur pour la fin. Donc comme pour les guidances de cet été, j'ai pris 4 cartes du tarot mythique avec ici première quinzaine de septembre, deuxième quinzaine, première quinzaine d'octobre et deuxième quinzaine du mois d'octobre. Nous aurons aussi des messages complémentaires avec une carte de l'oracle des fées, deux des rebelles sacrés qui sont tombés. Vous avez de la chance, vous en avez une de plus que les autres. Et on aura également une carte de guérir avec les anges de Dorine Virtue. On fera un petit point litho et on finira avec les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement. Alors, je tiens à vous dire que vos 4 cartes sont tombées toutes seules. Hein. J'ai même pas eu besoin de les tirer, donc là, on avait clairement des choses à vous dire. On va voir maintenant ce que c'est. Alors, tout de suite avec la première carte pour la première quinzaine. Et nous avons, magnifique, l'étoile. Alors, l'étoile qui est une arcane majeure qui peut représenter également le signe des Verseaux. Alors comme on peut le voir, cette carte est un petit peu en demi-teinte. Hein. Il y a une partie assez sombre ici avec une partie plus lumineuse. On peut voir ici un guide qui ressemble plutôt à une femme avec un arc-en-ciel. Hein. Elle a les yeux comme ça rivés vers cette lumière. Et c'est Pandore ici que nous avons qui est en train d'ouvrir sa fameuse boîte, c'est-à-dire qu'elle est en train de plonger dans ce qu'il peut y avoir de plus sombre en elle à l'intérieur. Et on voit qu'on émerge, alors on dit sur cette carte que c'est des insectes, moi je vois plutôt des papillons qui sont pour moi le signe de la transformation. Mais en tout cas, elle les fait sortir, elle les garde de plus. De toute façon, c'est de l'ombre hein, qu'émerge la lumière. Si on faisait tous un travail uniquement sur nos aspects lumineux, il n'y aurait pas vraiment de travail à faire, ce serait facile. Vous pouvez voir également qu'elle est à genoux. Elle est plutôt, on va dire, dans la prière, dans l'attente. Hein. C'est une carte d'espoir par excellence. Mais quelles que soient les ombres, quoi qu'il se passe, elle a toujours le regard, vous voyez, vers la lumière. Elle garde toujours espoir, elle a vraiment confiance. C'est une carte qui parle aussi de bonne connexion, de créativité énormément. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que comme c'est une arcane majeure, et que c'est une carte de protection, elle va pouvoir avoir une belle influence sur tout le reste de votre jeu. C'est aussi la carte du féminin sacré. Hein. Là, ici, on est ouvert à son intuition, à son imagination, à ses sentiments. Ici, on a vraiment envie de partir à l'exploration de soi-même, de ses parts les plus sombres, hein, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça peut être également aussi des autres, et ça, quelles que soient les conséquences, pour connaître enfin la vérité. Donc, ça peut être par rapport à certaines personnes ou par rapport à certaines situations, comme ça peut être par rapport à vous-même. Vous avez vraiment envie d'y voir clair, en fait. C'est une femme qui s'accroche, qui reste positive, optimiste, face à l'avenir. Et ça, malgré tout ce qui a bien pu lui arriver avant. C'est une femme qui a la foi. Hein. Donc ici, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme ou si vous vous reconnaissez dans le féminin sacré. Ou ça peut être une personne extérieure à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Alors, même si elle est dans l'espoir et dans l'attente, sachez que c'est une carte quand même qui augure plutôt des promesses heureuses. Parce que d'avoir tapé comme ça justement dans ce qui peut paraître plus noir, plus sombre, on finit vraiment par tirer des leçons de ses expériences passées pour en faire ressortir des bénéfices. Il y a une belle volonté de vivre hein, vraiment avec cette carte. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est aux espoirs aveugles et à l'inaction, c'est-à-dire à rester seulement dans le mode des pensées. En tout cas,
Elle vous invite également à faire ce qu'on appelle des visualisations créatrices, c'est-à-dire à projeter une belle image mentale de ce qui pour vous correspondrait, on va dire, au succès, à la réussite, à ce que vous désirez vraiment au fond de votre cœur. Et pour qu'elle ait vraiment un impact, comme on attire ce que l'on vibre, le mieux, c'est de vibrer comme ce que l'on souhaite. Alors, c'est sûr que quand on attend certaines choses et qu'on n'est pas du tout dans cette situation-là, c'est forcément plus difficile. Alors, le petit conseil de Sioux que je peux vous donner pour ça, c'est de repenser à la dernière fois où vous avez ressenti justement cette satisfaction d'être arrivé au bout d'un projet, d'avoir réussi telle chose, d'avoir rencontré la personne que vous vouliez, d'être heureux, enfin, en fonction de tout à chacun. Et là, à ce moment-là, de projeter votre petit film mental pour pouvoir attirer vraiment à vous ce que vous désirez vraiment. Alors, je crois que c'est les Sagittaires aussi qui l'avaient eu, cette carte au même endroit pour cette rentrée. On va voir maintenant ce que vous réserve votre deuxième quinzaine de septembre. Alors là, nous avons encore une arcane majeure, ce qui me fait la mise au point. Nous avons l'Empereur. Rien que ça, 200 personnes. Alors là, après avoir eu quelque part l'archétype du féminin, on a ici vraiment l'archétype du masculin par excellence. Là, ça, c'est le patriarche. Vous voyez, il est en haut d'une montagne, il domine vraiment le monde, hein, qu'il tient dans sa main d'ailleurs. Il a l'aigle en animal totem. Alors, je vous mettrai aussi un lien. Hein. On dit d'ailleurs que c'est cet oiseau qui survole tous les autres, donc c'est lui qui a la meilleure vue. Et puis là, ici, un éclair dans sa main, hein, qui peut représenter la foudre, qui exprime ici son autorité et sa toute-puissance. Hein, c'est sa grandeur comme sa terreur. Hein, il illumine le ciel, lui, avec ses éclairs. Donc, quand on parlait ici de chercher la vérité, ici, il peut y avoir des révélations. Alors, de la même manière, hein, vous avez l'habitude, je pense, maintenant, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme, bien que ce ne soit pas votre signe, hein, généralement, c'est plutôt associé au signe des béliers. Mais ça peut être également tout simplement un homme extérieur à vous qui a ses qualités ou les énergies du moment. En tout cas, lui, on revient sur la notion vraiment de vision, parce qu'il inspire et il donne des visions soudaines. Il était vu également par les Grecs comme le créateur du monde, souverain des hommes comme des dieux. Donc ici, on peut voir aussi votre père ou le chef de famille, votre mari, quelqu'un vraiment qui a ses qualités, on va dire, très paternelles. C'est-à-dire qu'il y a des idéaux spirituels, des codes éthiques, capables de lutter pour la survie, de l'autorité, de l'ambition, de la discipline et de la sagesse pour atteindre ses buts. Hein, ici, on vient remettre de l'ordre et de la discipline, hein, quelque part avec lui. Alors, ça peut vous inviter également à venir travailler sur le masculin sacré, c'est-à-dire à avoir conscience de votre pouvoir créateur. Et puis, quelque part aussi, de passer, vous voyez, du stade des idées ici, à la concrétisation, à la matérialisation, histoire que ça ne reste pas juste en suspens. Donc là, on vous invite à vous respecter vous-même et on vient vous donner également le courage d'affronter des épreuves et des défis avec cette carte. Parce que lui, il a vraiment l'instinct de conquête. Hein. Après, il peut avoir aussi, quelque part, un petit peu d'agressivité, hein, qui se dégage de cette carte. Parce qu'il n'en est pas arrivé là non plus en restant chez lui, assis sur son fauteuil, soyons clairs. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait faire preuve de compassion. Hein. C'est-à-dire que Zeus, lui, il a toujours pris la défense des plus faibles, des plus opprimés, tout comme il sait se montrer assez vindicatif quand on ose braver son autorité. Hein. Donc il a deux aspects, hein, vous voyez, quelque part. Donc ici, attention à la rigidité, à l'intransigeance, l'inflexibilité et le côté un petit peu tyran. Certains d'entre vous ou les personnes que vous reconnaissez dans cette carte auront peut-être envie de renverser l'ordre établi pour en instaurer un nouveau. Hein. Donc il peut y avoir vraiment une confrontation par rapport aux principes du père, voire aux siens, avec des répercussions plus ou moins négatives. Donc là, on vient vous inviter à provoquer l'action, à bâtir quelque chose, à matérialiser, à concrétiser, hein, comme je vous le disais, à passer, on va dire, du rêve à la réalité, en maîtrisant votre pouvoir sans toutefois vous montrer oppressant. Sachez également qu'aucune action n'est jamais vaine, donc ici, gardez la foi comme l'étoile. D'ailleurs, en association ici, on vous parle d'opportunités de projet au pluriel.
Après, l'empereur, ça représente aussi beaucoup de stabilité. Alors, par exemple, sur un point de vue sentimental, si vous êtes célibataire, par exemple, vous pouvez espérer après cet homme, ou en tout cas ce type d'homme, c'est-à-dire après une relation stable, posée, avec un homme, un vrai, hein, parce que lui, il est quand même mature, hein, c'est pas un enfant. Et peut-être que vous allez le rencontrer si vous ne le connaissez pas déjà, pendant cette période. Et si vous êtes en couple, vous avez peut-être justement envie de remettre un petit peu d'ordre, on va dire, dans votre situation, d'y voir plus clair, en tout cas dans votre relation, parce qu'il y a vraiment cette envie de connaître la vérité. Il y a beaucoup, je trouve, cette histoire de vue qui revient. Peut-être que certains ont connu, on va dire, je ne vais pas dire quelques déboires, mais peut-être que la situation était peut-être un petit peu moins sympa ou joyeuse avant, et que vous avez envie tout simplement que ça se passe mieux, hein, de transmuter quelque part ce qui n'allait pas pour en faire quelque chose de constructif derrière. D'ailleurs, je vous parlais à l'instant de transmutation, je n'avais même pas fait gaffe ici. Vous voyez, il est habillé en violet, qui est la couleur de la transmutation. Donc, on va voir maintenant ce que vous réserve votre première quinzaine d'octobre. Et là, nous avons alors le 8 de denier. Bah, écoutez, c'est assez chouette. Enfin, elle est très, très verte, hein, cette carte. Enfin, on est bien dans la nature. Les deniers, donc on est plutôt sur un aspect matériel et financier. C'est généralement plutôt associé à des signes de terre comme taureau, vierge, capricorne. Donc là, on voit des dalles qui est en train de s'affairer ici à faire des deniers sur son établi. Il y a des belles grappes de raisin qui ont l'air déjà assez généreuses. On est au 8 sur la progression allant du 1 au 10. Bon, on est déjà quand même bien avancé. Donc, vous avez peut-être réussi à passer vraiment plus sérieusement à la matérialisation, on va dire, de ce que vous désiriez ici. Vous vous attelez à la tâche, quoi. Et puis, vous avez l'air serein, ça a l'air de plutôt bien se passer. Il y a encore du travail à faire, mais bon, vous avez l'air plutôt confiant, appliqué. On peut même dire ici que votre force est canalisée. Cette carte, elle représente l'apprentissage. Donc, pour certains, ça peut être, par exemple, une formation. Donc, ça peut être dans le cadre de son travail ou à côté, hein, vous verrez bien selon vos cas. En tout cas, ici, on vient se perfectionner avec enthousiasme. Acquérir de nouveaux talents pour pouvoir réussir, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, mais tout en faisant cet apprentissage ou ces recherches, enfin, quelle que soit la manière dont vous procédez, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous en avez beaucoup plus sous le coude que vous ne l'imaginez. On parle ici de progression lente, mais sûre. Je pense qu'ici, vous êtes venu, entre guillemets, bien réfléchir à ce que vous aviez à faire. C'est pour ça que vous ne le faites pas, on va dire, en 5 minutes. Et puis, de toute façon, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et puis, comme la carte est plutôt verdoyante, chatoyante même, on peut parler ici aussi d'une régénération de votre énergie. Là, vous avez l'air, si vous voulez, d'aller un petit peu mieux. C'est vachement plus lumineux que là, hein. Là, on peut penser qu'ici, c'était peut-être un peu plus fatigant, déstabilisant. Là, on peut supposer qu'il y a un peu d'énervement, on va dire, dans les aspects négatifs, mais il vient pour moi plutôt amener ici, on va dire, une certaine forme de clarté, hein, je vous le rappelle avec l'aigle. Et là, on a l'air beaucoup mieux ici. Et puis, concernant cette histoire d'apprentissage, ça peut être suite à un talent, justement, que vous vous êtes découvert dans vos fouilles archéologiques, on va dire, avant, et dans vos prises de conscience. Ça peut être un passe-temps, une passion aussi, qui peut également se transformer en activité professionnelle. Ça peut être dans le cadre d'une société, mais ça peut être aussi pour devenir indépendant et créer sa propre société. Bon, en tout cas, même si on ne le voit pas clairement sur la carte, il y a de l'exaltation, il y a de l'enthousiasme, et on est plutôt bien installé ici dans sa vie matérielle. Il n'y a pas trop à craindre. Si vous aviez des petits soucis, on va dire, avant, là, on va dire que ça tourne beaucoup mieux, beaucoup plus. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Hein. Le vert, qui est la couleur, bien sûr, du chakra du cœur et de la guérison, c'est aussi celle de l'abondance. Alors, on ne vient pas parler tant ici avec les deniers de l'aspect sentimental. Maintenant, si vous étiez célibataire et que vous venez de rencontrer cette personne ou que vous revoyez cette personne qui était dans vos pensées, on peut dire que là, vous êtes en train d'apprendre davantage à mieux vous connaître. Et puis pour ceux qui sont en couple,
On peut penser qu'il y a encore du travail à faire pour améliorer votre relation et que c'est peut-être justement en apprenant à mieux vous connaître vraiment, à sortir des fantasmes, des projections qu'on pouvait faire sur la personne, que vous allez pouvoir avoir des rapports beaucoup plus sains et aussi peut-être plus sereins, si vous avez envie que ça marche, bien entendu. Sinon, on peut tout simplement penser que quoi qu'il se passe, vous vous, vous occupez de vous, vous êtes plutôt sur votre travail, sur votre vie matérielle, et que ça, vous laissez de côté, hein, parce que, comme on vous l'a dit, il est ambivalent, donc ça peut être un allié, comme quelque part, ça peut être aussi un frein, hein, quelqu'un qui se pose un petit peu en obstacle, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ça n'a pas l'air de vous empêcher d'avancer et de faire ce qu'il faut derrière. Voilà. Après, vous avez peut-être pu juste avoir une bonne explication avec lui, et puis voilà, hein, tout, point barre. On va voir maintenant de toute façon ce que donnent les arcanes majeurs avec le 8 de Denis en message complémentaire. On va commencer par l'empereur. Alors, pour certains, grosse frustration personnelle, sauf en ce qui concerne l'apprentissage d'un métier manuel ou mécanique dans le bâtiment. Pour d'autres, projet matériel déconseillé car blocage financier et rentrée d'argent retardée, surtout chez le père. Alors le père, hein, le patriarche, le conjoint, etc. Par contre, union solide, mais routinière, excepté pour une naissance. Voilà ce qu'on a eu pour l'empereur. Maintenant, comme on a l'étoile ici en protection, je pense que ça va venir amenuiser un petit peu les messages complémentaires qui sont donnés avec l'empereur. C'est pour ça que je vous la donne après. Alors, pour certains, période de protection garante de bonheur conjugal, fusion, conception, naissance, si on ne nourrit pas de besoins matériels trop importants et immédiats. Pour d'autres, contrôle de ses pulsions, pensées positives, goût des choses simples, vraies valeurs et vie saine, si possible à la campagne. Attitude sage face à l'argent, niveau de vie modeste, sens de l'épargne, prudence et sécurité. On parle également de loyauté, de fidélité et de raison, comme ne pas faire passer sa carrière avant son couple, par exemple. Surtout si ça a déjà été le cas avant. Hein. Le but ici, avec l'étoile, c'était de vous dire que vous aviez bien tiré les leçons de vos expériences passées. Donc, si vous l'aviez déjà fait, on ne le refait pas ici. Pour d'autres, bonne orientation. Futur prometteur. Enrichissement lent, mais sûr. Préservation de toute perte et retard de rentrée d'argent ou de mauvaises affaires ou de refus de crédit. Donc, vous voyez, ça vient annihiler ici les messages négatifs de l'empereur. Et pour finir, bonne santé, guérison, régénération par la détente. Voilà. On va voir maintenant ce que vous réserve en dernière quinzaine du mois d'octobre. Et nous avons le 3 de denier. Bon, bah, décidément, on reste dans les deniers. Hein, donc toujours le même aspect, les mêmes signes. Alors, on pourrait penser ici qu'on est un peu redescendu. Mais vu qu'ici, on parlait de lancer, on va dire, une idée. Enfin, ici, on a l'idée. Là, on a envie de la lancer. Là, apparemment, on s'y colle. Et là, ici, on va dire qu'on a plutôt, voyez, du soutien ou en tout cas, les premiers résultats qui arrivent par rapport à ce que vous avez lancé, justement, ici. Donc ici, bah, écoutez, félicitations. Hein, c'est un bel encouragement. Il y en a certains qui peuvent avoir comme ça une prime, une promotion, un retour sur investissement, des rentrées d'argent. Après, ce ne sera que la première étape d'un projet qui sera plus vaste, soyons clairs. Mais si vous redoublez d'efforts, vous pourrez parvenir à une certaine rentabilité, c'est-à-dire à ce que ça soit bien rodé, à avoir des bases bien fixées et à ce que ça tourne justement correctement sur du long terme. Donc, réjouissez-vous, même si le plus dur reste à faire, hein, c'est ce qu'on venait déjà vous dire ici un petit peu avant, vous êtes apparemment sur le bon chemin. On vous le disait justement avant dans les messages complémentaires, apparemment, l'orientation est la bonne. Donc là, on vient justement récompenser les efforts que vous avez déjà faits. Alors, ça peut être également au niveau personnel. Hein. Ça peut être par rapport à vous aussi, c'est-à-dire que vous avez su reconnaître vos propres limites par rapport à vous-même comme par rapport aux autres, que vous avez bien bossé, hein, justement, ici dans l'étoile, et que là, ça y est, maintenant, on va dire, vous êtes davantage au point. Donc, comme je le disais, ça peut être des récompenses, mais ça peut être aussi des gens qui vous soutiennent. Alors, on peut penser pour certains que ça peut être cette personne-là. Après, ça peut en être d'autres. Hein. Ça peut être votre conjoint, votre père, votre mari. Comme ça peut être
des amis, des investisseurs externes. Ça peut être différents types de personnes, en tout cas, des gens qui croient en vous et à ce que vous avez lancé. Donc, c'est que vous êtes vraiment bien sur le bon chemin. Parce que quand on est dessus, généralement, les portes, elles s'ouvrent. Ça se fait peut-être pas en 5 minutes, ça se fait peut-être pas non plus juste en claquant des doigts. Néanmoins, l'univers vient plutôt vous encourager que l'inverse. Donc, on va voir à nouveau les messages complémentaires avec l'empereur, puisqu'on sait qu'ils peuvent être amenuisés derrière avec l'étoile, pour les aspects négatifs, j'entends. Alors, pour certains, consolidation de la santé et accroissement exemplaire d'entreprises matérielles ou professionnelles, surtout si commerciales, par une grande maturité, organisation, persévérance et autorité. D'ailleurs, je suis en train de me dire, quelle que soit cette personne, en tout cas qui représente l'archétype du père, à chaque fois qu'on amène une personne dans votre vie, c'est vous, pour vous pousser quelque part à, alors pas à lui ressembler complètement, mais à développer les qualités dont vous auriez besoin et qui sont quelque part déjà en vous. Pour d'autres, niveau de vie plus aisé, donc ici, il n'y a pas de quoi s'affoler, mais là, ça s'améliore. Construction ou extension d'un domicile ou gestion fructueuse d'un vaste patrimoine. Pour d'autres, cadeaux luxueux, grandes affaires, postes de direction. On vous conseille également ici de ne pas vous montrer trop dur, avare, voire tyrannique avec vos proches. Et on reparle ici de la puissance financière du père, donc vous voyez, ça peut être lui aussi qui vous aide tout simplement à ce moment-là. Alors, au message complémentaire maintenant avec l'étoile. Double période de protection, tant au niveau matériel que professionnel, alors surtout pour des plans commerciaux, créatifs, artistiques, esthétiques, ésotériques, si ce n'est lié à la nature, que sur les plans sentimentaux ou de la santé. Donc, pour ceux qui avaient envie d'améliorer les choses et qui sont en couple, ou des gens qui espéraient après quelqu'un, ça a l'air quand même plutôt pas mal, question sentimentale. Ça va plutôt dans le bon sens. En tout cas, vous êtes protégés. Et puis ensuite, pour d'autres, communication et intuition parfaite, que ce soit pour des projets ou des marchés, du charme, intégration et maîtrise d'un talent. Donc ça tombe bien parce qu'ici, vous venez justement pour en maîtriser un. Et là, on vous parle ici de maîtrise. Donc vous voyez, vous n'allez pas mettre 500 ans non plus à y arriver. Ça va être une progression lente, mais sûre, comme on vous l'a dit. Et en même temps, je me dis que voilà, en deuxième quinzaine, on vient déjà vous donner des raisons de continuer qui peuvent se traduire sur forme financière ou autre, en tout cas de l'aide et du soutien. C'est quand même joliment parti. Ça me fait vraiment plaisir pour vous. Là, ça a l'air de bien avancer et comme quoi vous avez vraiment des belles qualités et des belles compétences déjà en vous parce que ça ne se passerait pas si vite sinon comme ça derrière. Donc comme quoi, si vous aviez des craintes ici ou même là, gardez confiance, gardez espoir, faites-le clair, sachez voir la vérité en face et un peu d'ordre, un peu de discipline et puis hop, on y va. Pour d'autres, chance pure pour le futur, certitude de réalisation aisée de tous ses vœux, meilleur niveau de vie, cadeaux, héritage, gestion fructueuse, voire indépendance financière, épanouissement professionnel, pour d'autres encore, gains, accords, contrats, promotions, succès public, sur d'autres plans, conception ou naissance d'un enfant, décoration du domicile, cocooning, fête, détente entre amis ou réception à la maison, et puis enfin, solide vitalité ou guérison par des médecines douces. Donc là, si vous aviez des doutes par rapport à un projet, une idée ou même peut-être par rapport à une personne également, c'est plutôt bien parti, vous avez vraiment une belle rentrée là, les lions. Je suis contente pour vous, ça fait plaisir. Bon après, comme on vous le dit ici, il y a du travail quand même à faire et c'est pas terminé. Mais franchement, je pense que ça vous fera plaisir ici de recevoir des encouragements pour ce que vous avez réussi à lancer. Que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à quelque chose d'extérieur. On va voir maintenant quelle carte vous avez eue avec l'oracle des fées. Et quelle surprise, Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc, voyez, si vous aviez des doutes, je crois que là, on vient encore une fois de plus vous les ôter. D'autant que, bon, comme je vous l'ai dit,
on vient pas parler tant, on va dire, sentimentalement avec ces cartes, hein, avec les deniers par exemple, que sur justement ce point-là. Alors, la couleur de la carte m'a interpellée parce qu'elle fait ni vraiment vert ni vraiment bleu, même si là on voit une femme qui est en train d'ouvrir ses ailes, qui sont d'ailleurs de couleur arc-en-ciel, donc c'est qu'il y a déjà beaucoup plus d'harmonie au milieu de l'eau. Du coup, je vous mettrai un lien par rapport au rayon turquoise qui pourra vous aider. L'eau étant les émotions, vous voyez, on a l'impression que c'est pas qu'elle fait fi de ça, mais qu'elle... Pour moi, il y a une idée d'ouverture comme la boîte de Pandore, vraiment pour faire jaillir d'elle vraiment une belle lumière. D'ailleurs, ici, il y a une sorte d'étoile qui ressemble plutôt à un flocon. Donc, on peut penser peut-être, hein, parce que moi, je ne m'avance jamais trop sur le temps, mais que vous allez avoir davantage de succès pendant la période hivernale. Bon, en tout cas, hein, voilà, si vous vous posiez encore des questions, si vous faisiez des prières, cette carte vient vous répondre en vous disant que l'univers est en train actuellement déjà d'exaucer vos souhaits. Même si vous ne le voyez pas tout de suite, parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre, hein, des fois, on va dire, en arrière-plan, dans l'ombre en place. Hein, il y a des personnes, des situations, tout ne dépend pas que de vous. Mais en tout cas, si vous avez envie d'exercer une profession épanouissante ou qui a du sens pour vous, vous avez l'air verni. Donc, restez positif et continuez de prendre des mesures concrètes. Bah tiens, vous voyez, j'ai bien fait de la mettre sur l'empereur, hein. Matérialisation, discipline, je vous le rappelle. Alors, ça peut être par exemple en faisant une formation supplémentaire, en vous créant un réseau de contacts dans le secteur désiré, en mettant à jour votre CV ou des documents promotionnels, ou en vous engageant aussi dans des travaux créatifs. Donc, continuez à prier, mais surtout à agir au quotidien, hein, vraiment pour pouvoir vous ouvrir les portes sur ce plan-là. Alors, je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte. Vos projets professionnels seront couronnés de succès. Fiez-vous à votre intuition concernant votre carrière. Redevenez étudiant ou prenez des cours pour acquérir de nouvelles compétences. Votre situation financière est en train de s'améliorer. Vous allez recevoir une promotion ou une augmentation de salaire. Résolvez un problème sur votre lieu de travail afin de pouvoir avancer sur le plan professionnel et personnel. Je vous parlais du stéréotype du patriarche avec l'empereur. Ça peut peut-être être aussi votre patron, hein, ici par exemple. On va continuer maintenant avec une des deux cartes qui sont tombées des rebelles sacrés. Et la première, je vous la montre, c'est inspiration. Ça vous rappelle pas un peu l'étoile qui est juste ici? Elle est magnifique. Alors, on voit plein de fleurs ici. Je trouve que la nature ressort beaucoup, hein. Et on voit également des abeilles. Alors, les abeilles qui sont vraiment un beau totem, hein, qui parle souvent de travail besogneux et qui sont aussi capables de voler avec des ailes qui sont beaucoup plus petites que leur corps grâce à la vitesse de leur battement. Alors, on peut penser ici justement aux efforts. On peut penser quelque part que vous n'avez peut-être pas des grandes ailes à la base, on va dire, pour voler, même si moi, je pense qu'au fond, vous les avez bien. Et au fur et à mesure, flaf, ça va vraiment s'étoffer et grandir. Donc, je vous mettrai un lien par rapport à ce totem. En tout cas, ce que vous pouvez peut-être pas voir, même si je vous le montre de près, c'est la belle lumière ici qui fait comme une spirale et on voit ici d'ailleurs à l'intérieur le nombre d'or. Donc avec cette carte, on vient vous dire qu'une idée a été captée ou captera bientôt votre attention, peut-être une vision, et on vous conseille de l'accepter car elle est importante pour votre croissance spirituelle et créative. Même si votre idée peut vous sembler trop lourde, difficile à monter ou à mettre en place, en tout cas, elle peut réussir. Vous avez de grands assistants, hein, qui vont être à vos côtés, dont principalement la Terre-Mère, pour que votre idée voie le jour, car elle œuvre pour le plus grand bien ainsi que le vôtre. Il y a une sorte de guérison, en fait, qui a l'air de se faire avec cette idée. Donc, ayez confiance, car tout est en train de se mettre en place. Vous voyez, on vous le rappelle encore. Restez réceptif et ouvert et permettez à l'inspiration de vous remplir d'enthousiasme. On vous en parlait également là. De magie et de synchronicité, parce que cette idée peut devenir encore plus grande que ce que vous pouvez penser déjà.
Elle a beaucoup de potentiel et elle a même pour certains la qualité carrément d'une mission. D'autant qu'on vient vous dire aussi que vous êtes vraiment un véhicule à inspiration et que vous êtes fait pour penser et faire des choses différemment. Je pense que vous êtes là pour apporter un petit peu de sang neuf, d'autres angles de vue, d'autres perspectives, d'autres propositions par rapport à certains sujets. En tout cas, vous n'avez pas l'air de manquer de créativité en cette rentrée. Faudra juste faire attention au piège du doute, du mental, parce qu'on vous le redit encore une fois, le succès est au rendez-vous grâce à votre engagement à développer vos idées. Alors allez-y jusqu'au bout, hein, n'abandonnez pas. Je vais vous donner maintenant les deux mantras qui sont donnés par cette carte. Que mes idées soient bénies par l'intelligence créatrice et l'amour de l'univers. Que le timing de la perfection divine gouverne le déploiement de ces idées en leur forme la plus belle et la plus réalisée. Que ces idées attirent les personnes, les situations et les opportunités les plus fertiles afin qu'elles puissent contribuer positivement à ce monde. Qu'il en soit ainsi grâce à l'amour et au génie sacré. Et puis la deuxième, c'est « Je m'engage avec mon corps, mon cœur, mon âme et mon esprit à ce qui m'illumine d'inspiration divine. Je m'élève et élève ceux autour de moi dans l'amour. Je m'ouvre à recevoir toute aide et protection nécessaire afin d'honorer pleinement cet engagement, qu'il en soit ainsi. » Bon, et puis on insiste bien dessus parce qu'en ouvrant le livret pour vous lire les mantras, je suis tombée sur « Vision audacieuse ». Donc, croyez bien en vous, osez, faites preuve d'audace, ce sera payant. On va passer maintenant à la deuxième carte qui est tombée et vous avez eu « Lâcher prise avec l'obscurité ». Alors, c'est marrant parce que ça fait vraiment, je trouve, les deux côtés avec l'étoile. On revient aussi au côté nature, hein, là, vous voyez, elle est sur un tronc coupé. Il y a une belle énergie verte qui, en plus, va vers le haut. C'est magnifique. Vous avez un beau soutien, là, vraiment, de la Terre-Mère. Et comme on vous en parlait un petit peu déjà avec cette carte-là, on revient ici sur l'idée de guérison par la nature. On vient vous dire ici que vous êtes peut-être dans un moment qui va vous demander du courage. Mais ça tombe bien parce que du courage, vous en avez beaucoup à revendre. On vous demande de vous élever afin de passer d'un niveau de réalité connu à un niveau supérieur. Alors, ayez confiance en vous. Bon, là, je crois qu'on assiste encore une fois de plus bien sur votre plexus solaire. Hein ? Donc, n'hésitez pas à le réharmoniser. D'ailleurs, là, bon, il y en a d'autres, hein, des pierres. Mais là, c'est une citrine. Ça pourra vraiment vous aider pour le plexus. Et d'ailleurs, et pas que d'ailleurs, je vous mettrai un lien. On verra le reste des pierres après. On vient vous dire aussi que les choses pourront se passer plus rapidement si vous êtes en accord avec l'optimisme et l'audace de votre cœur. La réalité supérieure à laquelle vous allez accéder n'est pas seulement celle du potentiel, mais aussi celle de l'expression du grand oui cosmique. Pour cela, il faudra quitter la terre ferme et ne pas vous soucier de ce que pensent les autres. Laissez derrière vous toute hésitation, procrastination, remise en cause et idée, parce que vous devez ici le faire tout seul. C'est vraiment une invitation à sauter dans le train, même si ça peut être comme un défi pour vous. On vient vous rappeler que quand on est en prise avec l'obscurité, on se sent plutôt poussé à abandonner, on se dit que c'est peut-être trop, on se trouve des excuses. Et là, le message, il est clair, hein. Libérez-vous de son emprise pour mieux vous prendre en charge et être libre d'agir. Parlez de votre travail, ne cherchez pas à le cacher, car il doit vraiment respirer l'air frais, être libéré de toute critique ou éloge, juste être ce qu'il est. Allez à l'intérieur de vous et imaginez que vous plongez au-delà de vos limites, de ce qui est connu jusqu'à présent parce que vous êtes prêt. Alors, elle me fait vraiment penser à cette carte, hein, le plonger. C'est chouette. Franchement, vous avez vraiment des beaux encouragements. Je vais vous donner maintenant le mantra qui est donné par cette carte. J'accepte l'offre de la vie de vivre réellement. J'invite et reçois toute assistance, intervention, protection et inspiration pour sauter dans le prochain cycle de vie guidé par la sagesse de l'amour. Qu'il en soit ainsi. On va voir maintenant ensemble la dernière carte que vous avez eue avec les anges. Et là, nous avons eu Indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Alors, la personne pour qui vous pouvez demander de l'aide, je vais la mettre là,
Alors, cette carte, il me semble que vous l'aviez déjà vue. Alors, je ne sais plus quel mois c'était, mais il me semble qu'elle revient. Bon, d'ailleurs, vous voyez que sur cette carte, il y a un cheval. Je vous mettrai aussi le totem en lien. On voit également un petit garçon. Hein, donc, il est sur un vélo. Et puis, là, derrière lui, justement, ce cheval ailé. Alors, ça peut peut-être avoir un rapport avec votre projet ou pas, à voir. Parce que comme on parle ici quand même de mission, enfin en tout cas que votre idée est liée à une mission, on revient aussi beaucoup sur la terre-mère, ça peut être justement être lié au fait d'être un enfant indigo, d'aller en tout cas dans le sens du travail des enfants indigo, parce que justement, ils sont là pour faire avancer les choses, pour améliorer ce qui se passe sur Terre. C'est des gens hypersensibles, qui ont une volonté inébranlable, qui ont un tempérament comme ça assez enflammé, hein, un petit côté même rebelle. On peut vous retrouver aussi quelque part dedans. Hein. Comme ça peut être ben, votre fils. Alors là, ici, c'est un petit garçon, mais ça peut être aussi une petite fille. Et puis, ça peut être le vôtre ou ça peut être celui d'une amie, de gens que vous connaissez ou que vous allez connaître pendant cette rentrée. Donc, vous voyez ici, en fait, ça peut être double comme message. Je vais vous donner maintenant la marche à suivre qui est donnée avec cette carte. L'archange Métatron supervise la nouvelle génération. C'est donc l'ange à appeler en priorité pour résoudre les problèmes concernant les enfants et les adultes indigos. Oui, d'ailleurs, je vous disais enfant, mais ça peut être aussi un adulte. Hein, c'est pas forcément qu'un petit bout de chou. Prenez le temps d'apaiser votre corps et votre esprit en fermant les yeux et en respirant profondément. Posez ensuite silencieusement à l'archange toutes vos questions à propos des enfants en général, d'un enfant en particulier ou d'une personne montrant les qualités indigo, comme une grande sensibilité, une grande volonté et un intérêt pour la planète. Demandez à l'archange Métatron de vous conseiller sur votre mission d'assistance auprès de la génération indigo. Voilà. Alors maintenant pour le petit point litho. Bon, tout à l'heure je vous ai montré donc la citrine. Mais je comprends mieux aussi pourquoi on a eu pas mal de pierres d'ancrage. On a eu aussi la cornaline. On a du quartz fumé. On a ici un œil de fer. On a également un quartz ledonite, qui est la pierre des chamans. Et on a du cristal de bismuth. Bon, comme je pense que votre vidéo est assez longue, je ne vais pas m'étaler, je vais vous mettre des liens hein, pour certaines pierres. Vous comprendrez pourquoi elles pourront vraiment vous aider pour cette rentrée. Et on va passer maintenant directement aux fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs de Bac, je vous mettrai un lien vers une vidéo qui vous expliquera ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. pour ceux que ça intéresse. Et en accord avec vos guides et avec les miens, on va commencer par la fleur qu'on vous conseille pour le mois de septembre qui est Cerato. Alors, Cerato, c'est une fleur qui est là pour renforcer un sentiment de certitude intérieure, de confiance en son jugement, ses intuitions, ses décisions et en soi, et également du coup à vous apporter davantage d'affirmations. Elle aide également à lutter contre la recherche d'avis de la part des autres pour prendre ses décisions, et elle lutte également contre l'anxiété, l'indécision et la sécurité. Donc je pense que ça pourra vraiment déjà bien vous aider dans un premier temps. On va dire pour la première phase hein, de ce qui a l'air de se dérouler pour vos projets, etc. Maintenant, pour le mois d'octobre, nous avons eu Helm, qui correspond aussi à Orme. Alors celle-ci, elle vous apportera davantage d'assurance intérieure et de reconnexion à votre but, le sens des priorités et la persévérance pour accomplir vos responsabilités. Donc là, je trouve que ça tombe vraiment pile poil. Et elle vous aidera également à lutter contre le sentiment d'être dépassé ou écrasé par l'ampleur de la tâche, pour que vous puissiez grossièrement y arriver jusqu'au bout sans vous laisser abattre. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, franchement, vous avez vraiment un beau jeu, hein, les lions, pour cette rentrée. Moi, quand je vois ce jeu, en tout cas, j'y crois très fortement pour vous. Vous êtes bien soutenus, vous êtes bien guidés. Et si vous n'avez pas l'impression, en tout cas, que ça l'est dans la réalité, là, par le biais de tout ce qu'on vous a donné au cours de cette guidance, vous êtes vraiment, vraiment bien soutenus et surtout assurés d'y arriver. Donc, lâchez rien, si ce n'est les doutes et la peur. Avancez, collez-vous-y,
et ça va suivre derrière. Il n'y a vraiment aucune raison que ça ne marche pas. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime, vos commentaires, vos retours, vos partages, vos abonnements, votre fidélité. Et puis je vous dis à bientôt les lions. Namasté.